Bien vu. Joli tir. Pas mal, hein? Convenable. Viens, il faut que tu vois ça. On dirait que ce levier là-bas pourra libérer. On va attaquer. Je sais, mais une créature comme ça devrait pas vivre en cage. Encore tes émotions. Hein. T'entends pas leurs pensées. Moi, si. Ignore-les. Et... tiens-toi prêt. D'accord. La bête maintenant. Eh bah, rien. Mais il était heureux de mourir au combat, plutôt que de moisir dans une cage. Ta technique s'améliore. Tu t'es bien battu, Atreus. Merci, père. De l'air frais, ça fait du bien. qu'est-il arrivé aux gens qui vivaient ici? Suis les indices, mon garçon. Oui, oui. Suivre les indices. Bon. Alors, il y avait un méchant roi nain, et il obligeait les gens à chasser des monstres, pour ensuite les mettre en cage. Et après, je sais pas. Il nous manque un indice. On retourne dans le château? Non. On ne trouvera rien de plus à l'intérieur. Mais reste à l'affût des dragons enchaînés. Qui sait, tu en apprendras peut-être plus sur le roi nain. On en a suffisamment maintenant. Atreus. D'accord. Ah, moi qui me posais la question. J'arrive pas à croire que personne n'ait trouvé la tour de Yotunheim après tout ce temps. Où on peut cacher une chose aussi grosse? Tu veux qu'on s'arrête sur cette plage? Meilleur. J'arrive pas à croire qu'il l'ait mangé. Il y a quelque chose.